Et nous, bon travail, continuer à informer la population, et donc magique, et par contre, jour congé. Et c'est bien, surtout depuis 19 mars, on a déclaré officiellement des gens qui sont infectés dans le corona. Et donc, radio a fait un pile effort pour informer la population. Et très bien, on continue de travailler. Merci un pile, M. Spence. On est content de vous. M. Spence, je vais vous entendre conférence de presse ministre justice là qui dit que il y a un renseignement et gain on attaque à préparer contre la vie président lui-même tout et mon fantôme 509 yo il a préparé pour attenter à la vie li il paré pour yo tout en moins d'accord sans la médecine et il dit on l'autre bord que il bail instruction pour yo arrêter du monsieur Rizia alias barbecue pour mener côté bail la justice même si monsieur est rentré. Et dans le sein de sa mère, on dit mon Dieu, on va arrêter pour te bailler. Ou un commentaire sur ce point-là, M. Espérance? Oh, oui. Et bon, nous avons des déclarations, ministre justice, là, sous attaque et Lydie qui t'a planifié pour sous cortège et président. Et Lydie tout, et un deuxième, un plan B, si on pas arrivé pour un cortège président, une attaque qui est envisagée. Et contre lui, dans la zone et ministère. Bon, et nous pensons, si tu as un monde qui planifie des attaques et contre l'autorité, mais étant donné que l'État débloque un paquet de l'argent chaque mois pour service renseignement, ou bien ça nous est l'intelligence là, et donc nous croyons que c'est. Et institution qui l'a pour ça, la police judiciaire, qui t'a pour mener bon genre enquête et à partir des informations qu'il y a gagné, et puis il communiqué le bail la justice pour t'a poursuivre des mouns qui n'a plan ça. En attendant, enquête la faite, il y a ça, il t'a pris à disposition et renforcer sécurité pour aider jouer plan ça. Et donc, nous, ouais que c'est important pour et yo respecter les bagages aux gens au fait pour c'est pas et c'est des déclarations qui peuvent déboucher sous persécution et politique et puis après ça on pas joindre et rien qui te comprendre premièrement oui. Et on dit quel que soit et plan que tu as gagné pour attenter à vie président à vie ministre justice là faut autorité qui la pour sécurité et la justice fait travail yo et monsieur Espérance ou dit mon l'autre bateau que attention à instrumentalisation et politique pour faire des persécutions et contre des monde et en utilisant des bagages tant que ça qui dit c'est ça me de comprendre non soit dit c'est exactement ça et m'a comprendre encore si tu as un plan autorité pas de croiser pour et yo doit prendre disposition pour ta dévier et plan et côté que yo renforcer sécurité ou bien autorité que c'est président ou bien ministre justice et pour et déjouer plan mais maintenant étant donné que l'État débloque un bana un paquet d'argent chaque mois dans question service renseignement et yo une institution qui c'est bois droite la justice là qui là qui capable faire travail ça na mener bon genre enquête et monter dossier et au structure et au formé pour ça c'est et police et judiciaire donc et nous c'est ça fait nous dit et tout autant que nous pas un rapport et bien détaillé qui montrait que et moun yo même côté tout bagage était planifié et n'a considéré et déclaration ça comme déclaration et pour faire persécution et politique surtout les déclarations ça vini de yon autorité et politique parce que Jean Obalia yo déjà bay résultat yo dit mais qui groupe et k'ap fè ça réunion te faite la kayon leader et leader ça c'est yon on docteur c'est un leader et politique et donc et si tu as un plan nous même nous condamné li mais Jean yo annoncé li a et laisson autorité politique qui annoncé li et qui déjà longe doit sous des groupes que pouvoir
y a un problème avec eux et ça ban nous problème, nous inquiéter. Okay. Nous inquiéter en pile, nous parler pour c'est pour ça et c'est des bagages qui pral c'est une persécution politique que autorité et pral et rentrer. Okay. Parce que l'État l'État il organise, il structure, il y a institution qui là pour ça. Et l'État, j'aimerais dire, l'agon, ban a un paquet de l'argent, a débloqué chaque mois pour service renseignement, et ces services renseignement, qui a bon renseignement, information, ça, yo, et puis, qu'on a police judiciaire, a, et DCPJ a ramassé, yo, il vient à enquête, il vient à bon gens preuve, avec les témoignages, et des mouns qui, t'es participé, qui dénoncent ça, et laisse ça, c'est laisse ça, société a, on est prêt, t'es bon plan. Mais laisse l'autorité politique qui annonce le, déjà avec des groupes qui ont un problème et avec eux et li bon perception que c'est ta persécution politique. Maintenant, ça vous pensez de Phantom 509 et de exactions et qu'on fait pendant des sorties qui dénoncées par des gens dans la société. Bon, écoutez, mais depuis 7 février dans ça les convocations et policiers dans l'inspection générale de la police là. T'as un brigandage qui fait dans l'inspection générale de la police là. T'as un 7 février, 17 février, 19 février, 21 encore, etc., 18 février, 19, etc. Nous-mêmes, chaque fois, nous prenons position, nous sommes toujours condamnés et comportement ça. Nous disons que la police là, policiers, la police là sont institutions qui hiérarchisées et policiers, ils ont fonctionné en bas de normes. Et hiérarchie et institution. Les gens nous dit et nous fait document sorti sous ça dans mois février 2020. Nous dit revendication policier yo juste yo légitime mais yo pas capable faire revendication et dans violence. Ça veut dire si et ça passe dans la rue et les gens des autres c'est policiers qui impliqué là-dedans et nous t'ai toujours dit li, nous toujours dit et nous continuons de dire c'est enquête encore la police et judiciaire inspection générale de la police là pour monter bon genre dossier pour fixer responsabilité ou, sans persécution et m'a dit des policiers qui regroupent dans syndicat et kounia après bon genre enquête pour être capable poursuivre monde qui fait et zak sa parce que ou pas capable, revendication pas qu'à faire, et la violence, d'ailleurs, institution la police, là, institution la police, elle est là pour le protéger et accéder. Donc, il n'est pas capable, c'est eux-mêmes qui sont là pour protéger et accéder, pour faire respecter les normes, les principes, respecter la loi, et puis, quand il y a une revendication, il y a une revendication à faire, il y a une revendication pour faire passer, il y a une revendication pour faire passer la violence, ça, et il n'est pas bon, ni tout. Depuis, il y a une. Et après, bon, j'en enquête, je joue un policier qui est impliqué dans ce qui passe ça, et je fais pour poursuivre. Cependant, et nous-mêmes, nous comptons toute persécution et policier parce que, si il y a une persécution pour, contre policier parce que vous regroupez nos syndicats, nous-mêmes, nous comptons ça. Mais si il y a un bon dossier qui monte, qui montre que, il y a un policier qui, et dans n'importe où, quel que soit ça, il y a qui n'a crasé brisé, crasé, aller dans le cabinet d'avocat, aller et tirer sous direction générale la police, crasé champ de masse, etc. Et mais après, bon, j'enquête, c'est pour poursuivre et traîner devant et la justice. Et c'est ça que fait, dans le cas, l'inspection générale la police a un rôle important et pour jouer et la dani avec toute la police et judiciaire. Mais si c'est déclaration autorité politique, tant qu'on ministre justice ou bien l'autre autorité dans le CSPN n'a qu'à faire, qu'à plonger douette et sans ne pas prouver et faire avec mon enquête, ça va nous poser. Allez-y, Ben. Robinson, je pense. Mais au départ, lorsque Phantom 509 t'a frappé, nous étions très réticents pour que nous te condamnions Zach et pas RNDDH. C'est pas RNDDH. Okay. Par contre, pour l'autre groupe, pas RNDDH. Non. Nous ne sommes pas capables d'organisation de la monde. Nous avons défendu nos normes, nous avons défendu nos principes. Et puis, pour un groupe, quel que soit le groupe là, dans la société à qui gagne droit, exercer droit civil, la politique, et liberté pour l'exprimer,
et puis qu'on y a pour la faire la violence, et puis pour nous-mêmes, pour nous pas condamner. Ou mettre à lire tout document qui nous sortit, position qui nous prend, et surtout, dans radio, ça, côté que nous toujours parler avec nous, nous-mêmes nous dit que, oui, nous n'est pas capable de faire revendication ou passer dans la violence. Et nous dit que, dans mon institution d'accord là, on a la police là. Il y a deux instances dans la police là qui sont extrêmement importantes dans la question enquête sur le comportement des policiers. C'est l'inspection générale de la police pour souké koli avec DCPJ. Et nous avons un paquet de cas qui n'a pas d'explication sur nous qui et dans l'inspection générale de la police là, nous avons besoin qu'on ait un résultat. Par exemple, le 7 février et 2020, il y a eu un incident qui passait dans l'inspection générale de la police. L'incident fin passé, au lieu que une enquête qui menait, qui s'est offert et le 18 février, et c'est CSPN qui a annoncé, il a évoqué plusieurs membres et syndicats. Nous ne sommes pas d'accord avec FOMNA. Ou pas capable de prendre mesures, ça ou sanctions, ça ou son sans enquête. C'est enquête qui a fixé responsabilité chaque monde, qui dégré responsabilité chaque monde. Ou si pas faire enquête, et pour prendre une décision comme ça sur base fantaisiste, et puis après ça, on fait bac. Et réalité, a, c'est que vous avez fait bac sous mesures que vous avez prises, côté que vous avez révoqué, et membres et CSPN. Alors que, SPN, excuse-moi. Alors que, si c'est après, il a faibli, exactement. Alors que, si c'était après enquête, où tu as fixé responsabilité de tout le monde, frère à l'appui, enquête inspection générale, enquête DCPJ, qui montrait, qui était écrasé, brisé dans l'inspection générale de la police, et bien, quand il y a une sanction, et pas de monde qui a dit rien, et c'est même bagaille. Le. Quand il y a une manifestation, la police et les policiers, marche policier, une manifestation, et les 17 et 17 février. Et dans l'arrivée devant la direction générale de la police, il y a des cartouches, des projectiles qui percent, qui sont tombés dans le bureau du directeur général de la police. Oh, dis-moi! Oui. Le 17 février, et dans déblosage qui était gain là et Pétionville là et bien deux projectiles qui tombé dans direction générale la police là comment ça CSPN n'a fait les 18 yo révoqué tout membre syndical yo on va faire ça contre enquête là alors qu'on y a contre enquête là non cas on désordre et violence et pour une institution tant pour la police là. Et laissez policiers ou dit fait yo. Kounye est là, ou bien deux gros outils dans main, ou bien inspection générale de la police là, ou bien DCPJ, kounye a mené enquête et puis enquête là a fixé responsabilité yo. Et kounye l'a vinn fixer responsabilité yo. Mais gros policier qui est le Pascal Alexandre ça. Sans gagner un rapport et gagner une enquête et moi pas ouais rapport et inspection générale de la police là même moi rapport et mon moi rapport de CPJA et qui parlait de plusieurs et incidents qui impliqué là-dedans oui gagne yon gagne un rapport gagne et celle m'pas rentrer dans fond rapport mais celle faiblesse moi li gagne là-dedans et c'est pas c'est plusieurs événements et yo et côté que il gagne plusieurs policiers qui impliqué dans événement ça yo moi t'app tant moins et avec plus et non plus monde et qui impliqué mais c'est un rapport qui fait par exemple dans rapport ça c'est un nom qui cité là-dedans c'est celle et Pascal là et donc pas ouais yo fixé responsabilité de l'autre groupe qui impliqué et la dernière. Donc c'est ça que je suis capable de dire, son rapport et DCPJ et tout le monde connaît et tout effort et je pense que la société a un minimum respect et pour la police et judiciaire pour aider
de CPJ. Et donc, ça qu'on y veut, il y a des rapports qui ont des failles là-dedans. Mais espérer que le rapport, ça, c'est un premier, à gagner de l'autre encore, parce que, il n'y a pas capable, ou seul monde qui a fait tout le bagage. Il faut que des preuves, des pièces, des indices, des bagages qui ont soutenu devant le tribunal, et si bien comprenons. Maintenant, dernière question, n'a pas joué la Pierre-Espérance. Allez-y, allez-y rapidement avant de parler de barbecue. Non, allez-y. Non, ma petite question, mon petite question, c'est barbecue. Oui, oui. Barbecue. Oui, oui. Ok. Déclaration, ministre, justice a fait, jour, jeudi, 10 juin 2021, et sous question et barbecue, son déclaration pour consommation internationale, son déclaration pour la galerie. Oh, vous avez dit ça, monsieur Espérance. L'arrivée après un membre d'un congrès qui est très influent, et c'est Maxime Wadez, et qui pas n'importe monde. Et Maxime joue un rôle extrêmement important dans le moment qu'il a parlé là, dans la commission et budget et dans le congrès. Ça veut dire c'est lui-même qui peut bailler. Et on a songé dans la lettre Maxime Wattez et ambassadeur Simpson, dit tout dit le consacré, il faut veiller à ce que les gens qui sont impliqués dans le crime qui est à côté de la police, que le pape, ce n'est pas l'argent du gouvernement américain qui a utilisé pour faire ça. Et m'a tout profité dit, le gouvernement américain, depuis plusieurs années, ils ont décidé pas bayon goud et ni formation pour une unité dans la police là. Non, c'est pas yon, non, c'est deux. Et pour Idmo avec Idmo avec Boy. Et parce que on connaît que Jimmy Cherizier est passé environ 14 ans dans Idmo et on connaît que Idmo et toujours, et policiers dans l'Idmo, ils sont toujours en connivence avec, et ils toujours protéger les barbecues. Donc, c'est par rapport avec... Attends là, monsieur Espérance. Monsieur Espérance. Monsieur Espérance. Allô, allô. Allô, allô, monsieur Espérance. Monsieur Espérance. Parlons de nous là, louant puis lui, comme si, ou dit, Américain pas bail. Unité spécialisée Udmo, assistance financière Niboy, et puis pour. Ni formation, ni équipement. Vous dites que des policiers dans Udmo qui a protégé Jimmy Cherizier, vous citez ça, dit M. Espérance? Oui, et tout déplacement Jimmy Cherizier, et l'aile déplacée des besoins en zone à longue zone, eh bien, c'est la police qui assure la sécurité, c'est des policiers. Ces policiers et Udmo ou bien des policiers dans l'IRGPN. L'IRGPN? Oh, oui, 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 des policiers dans l'IRGPN. L'IRGPN, c'est pas les nationales. Oui, 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 bon. Oui. Mais Jimmy Cherizier, c'est un bandit qui a travaillé pour pouvoir. Alors, qui vient finir de m'a fini dans la déclaration. Non, mais pour accusation ça, monsieur Espérance, okay, et rendez-le à bon Jean Prève. Maintenant, ma préprenne pour encore. Mais donc, le gouvernement américain, pas bail ni équipement, pas bail formation, pour Idmo avec Boy, pour implication dans le crime et surtout connivence qu'il a gagné avec le barbecue, Jimmy Cherizier. Donc, vous mettez de n'importe où dans l'ambassade là. Ok. Et, qu'on y est là, déclaration ça arrive et tout, pas oublier que vendredi praline, vendredi 19 et juin, Conseil de sécurité a réuni sur Haïti. Ça veut dire, Madame Lalime, a bien pour présenter situation et droit monde, situation politique, situation sécurité et dans le pays. Et on va pas prendre rien et Nations Unies et avec de l'autre institution dans l'État, Sopra et DCPJ et organisation droit monde fait rapport montrer que Jimmy Cherizier pour Pipiti impliqué dans 6 et massacre en d'un pays
Étant donné que le Conseil de sécurité a réuni sur Haïti, donc, Kounye là, il a fait déclaration ça, et pour montrer que le pouvoir n'est pas en connivence avec Guy Michel Rizier. Alors que, dans le mois d'avril, dans le commencement du mois d'avril, tout le monde voit que c'est Idmo qui est porté manger. Et alors, c'était Fayez qui voulait manger à Guy Michel Rizier. Et c'est Idmo qui a assuré sécurité. Et Guy Michel Rizier, dans le moment, et Guy Michel Rizier a dit police administrative, mais qui moune pour manger. Et l'aide Maxime Waterez, qu'elle voyait la semaine passée à Baye et ambassade américain en Haïti, lui dit que Guy Michel Rizier était dans deux machines et blindées qui étaient allées Cité Soleil, qui allaient attaquer Moun Cité Soleil, et Guy Michel Rizier était dans une machine ça yo, avec la police. Et c'est vrai, il était dans la machine ça yo. Donc nous-mêmes, donc, on est là, étant donné qu'il y a une pression américaine, le Congrès américain, hein, et comme madame nan, la Lim, pral présenter, pral parler devant le Conseil de sécurité à vendredi prochain, vendredi 19 mai, pour parler de mission, le 19 juin, pour parler de mission et mandat mission ça, qui ça a réalisé, et pour parler tout qui ça qui fait dans la question de droit monde, et dans la question de sécurité, impunité. Et donc, quand il y a là, faut autorité au joint, non bagaille pour dire, pour montrer qu'il n'y a pas de connivence avec barbecue. Alors que barbecue, c'est peut-être deux semaines là, la théorisé et monde et en bas la ville là, côté que c'est lui-même qui a placé gang, chef gang, et tout côté, et ils ont bouclé les G9, et où il fait, et où même jour premier ministre, quelle coïncidence, même jour ministre justice, et dit, il demande pour arrêter barbecue, et c'est même jour ça, barbecue sorti vidéo, et pour lui dire comme ça, que lui-même, il y a la tête un groupe qui a pris contrôle tout quartier populaire, et il y a une base dans tout le pays. Et donc, ouais, ça veut dire que barbecue et pouvoir bien officialiser le barbecue. Côté que barbecue, c'est lui-même qui remplace la police. C'est lui-même qui nous consacre, mais qui doit avoir une violence dans un quartier populaire, mais qui doit avoir une violence. Donc, il boule Kaïmounio. Li exécuté et en pile monde n'a vini avec sous ça avant longtemps dans document et puis et kounye là li présente tête li et comme un leader et gang et qui et a mette structure dans quartier populaire et pour pouvoir ouais et ouais li dit tout ça c'est comme si la police a pas existé et tout le monde constate depuis équipe ça monté sous pouvoir et en février 2017 c'est affaibli la police là et m'pa pa prendre moyen pas sécurité et en Haïti pas jamais dans état qu'il y a journée aujourd'hui et kounya c'est barbecue Guy Michel Rizier qui gagne mission ça et pour et gagne contrôle tout quartier populaire pour kembe moun yo en otage ou pas faire revendication et passer et comme ça c'est lui même qui gagne contrôle monsieur bon mon dernier petite précision parce que dans lettre Maxine Waters qui c'est congressman de Californie, voyé par l'ambassadeur Sisson en fin mois de mai. Il dit même commission finance. Oui, même commission finance dans le congrès. Il dit que il y a des rapports qui disent que il y a des blindés de transport de troupes qui rentraient Cité Soleil et qui tuaient des gens dans le quartier pauvre ça. Côté des gens de conditions humbles. Il dit dans lettre là, ambassadeur, et si c'est vrai rapport ça si ça dit dans rapport ça c'est vrai faut que les États-Unis prennent des positions claires pour condamner et violence ça maintenant il dit si c'est vrai maintenant on se dit là il y a quelques instants que oui Jimmy Cherizier était dans une blindé qui a attaqué Cité Soleil c'est ça dit là blindé la police blindé la police et il a blindé la police. Inspection générale de la police a connu ça. On est là et nous-mêmes, c'est ça n'attend dans l'inspection générale de la police là. Et qui ça a fait dans le mois d'avril là? Les failles, c'est vous, et manger, bah,
et by Jimmy Chevrizier, côté que tu as un policier Idmo avec policier administratif et qui était là et qui ça a fait qu'on est là qui j'ai enquête là il qui côté enquête là il pas enquête sur barbecue non et pour inspection générale là mais enquête sur comportement la police là avec un bandit qui okay. Que la police a cherché non mais c'est même gens tout dans cas ça dans cas et Maxime Waters et li dénoncé à que nous même nous confirmer li et j'aimerais dou information ça ou avant longtemps mon document. Et oui, Jimmy Chevrizier, c'est dans Cité Soleil, dans machine blindée, côté qu'elle a terrorisé la population. Dernière question. Comment expliquer que c'est Maxime Waters qui a écrit Madame Lalim, Madame Sisson, pour condamner des actes de violence? Est-ce que quelque part la communauté internationale ou certains acteurs importants de la communauté internationale et une espèce de indifférence ou une certaine indifférence par rapport à des gens qui mourent dans des quartiers populaires en bas acte des gangs que vous dénoncez là avec Jimmy Chérizier. Est-ce qu'on a un sentiment ça? Oui, moi j'ai un sentiment ça pour plusieurs raisons. Les Jimmy Chérizier fait massacre dans la Saline dans le mois de novembre 2018. RNDDH fait un premier rapport sorti le 1er décembre 2018 pour montrer l'implication de Jimmy Chérizier dans le massacre. Est-ce qu'on connaît que dans le corps diplomatique là en Haïti, jusqu'à mois de mars 2019, ça a discuté que le rapport RNDDH n'est pas crédible? Ah, mais si ce n'est pas grâce au Congrès américain, c'est qu'il y a 104 congressmen qui ont une note qui ont fait sortir. Pour yon dit comme ça, mais information qui yon gagne, yon mande enquête. Et c'est à partir de l'aide congrès américain qui fait que une mission diplomatique et américaine en Haïti commence à prendre position sous massacre et la Saline. Et Nations Unies qui ont pile résistance, heureusement dans Nations Unies. Et dans Nations Unies, ou gen section de l'Amoun et dans Nations Unies, dans mission Nations Unies en Haïti, qui est complètement indépendant. De mission politique là. Donc ça veut dire que c'est il dépend directement du Haut Commissariat Nations Unies et à Genève. Donc c'est eux même en bas pile insistance en bas gourmain que rapport Nations Unies arrivé sorti et dans mois juin 2019 sous et massacre et la Saline et puis aucun gain pas de CPJA qui était sorti et dans commencement et mois de mai. Oui. Et les corps diplomatiques en Haïti, et mission diplomatique en Haïti, ils ont gain tendance à fermer les yeux sous répression, sous impunité, sous massacre et sous et corruption qui gagne et dans le pays. Et c'est ça que je dis. Les déclarations du ministre de la Justice, les fait pour consommation internationale parce que ou gagner conseil de sécurité à Capréini vendredi 19 juin sous Haïti. On connaît là avec déclaration ça, il a utilisé lui pour montrer que Jimmy Chérizier il pas dans connivence avec lui alors que c'est pour voir qui va Jimmy Chérizier moyen et m'a dit que jour vendredi 5 juin 2021 et ben et pouvoir installer un monde dans CAS qui c'est caisse assistance sociale et c'est groupe gang et Jimmy Chérizier, Genève là qui baille monta. Donc et Jimmy Chérizier, c'est un bandit qui travaille et pour pouvoir. Et donc où est qui Jean-Michel Aougan, lui fait une vidéo pour montrer que c'est lui-même qui gagne contrôle sécurité en pays. Ça veut dire que la police ça va exister. Donc qu'on y est là, il met bandit par lui, gang par lui dans quartier populaire. Et c'est pas sans raison il a besoin dans madame la fond déclaration il a besoin 19 policiers pour la clean et village de Dieu il était déjà et 10 policiers avec lui. Donc son bandit qui travaille officiellement pour pouvoir donc déclaration arrive dans un moment parce que Maxime Waters fait une lettre là embarrassant et pour émission pour le gouvernement américain et lettre là embarrassant pour pouvoir Kounia là fait pression sous et autorité et puis ils font des classes pour la galerie. Pierre Espérance, merci en pile. Bonne journée. Bon travail, bonne journée. Bon. Merci.